temps d'acclamation. Let's clap. Quelqu'un va lire pour nous. Let someone read for us. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Peter 5 verse 8. 1 Pierre chapitre 5 le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. La parole de Dieu nous exhorte. The word of God is advising us. À la vigilance. To vigilance. Pourquoi? Why? Parce que Satan rôde. Because the devil is turning around. Une église mal enseignée est toujours très faible. A wrong to church is always very weak. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Il y a des croyants qui ne connaissent pas ce verset. There are believers who ignore this verse. Pour eux, for them, le diable est dans les flammes. The devil is in the flames. En train de brûler. Burning. Le péché n'existe plus. Sin does not exist anymore. Jésus l'a enlevé. Jesus has removed it du monde. From the world. Donc ils sont dans l'ignorance. So they are ignorant. Et la Bible dit que quand quelqu'un est dans l'ignorance, and the Bible says that when someone is ignorant, c'est un lien de la mort. Is a tie of death. Mon peuple est détruit. My people is destroyed. Parce qu'il lui manque la connaissance. Because he lack knowledge. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Le diable n'a pas où aller. The devil don't know where to go. Has nowhere to go. Le monde ici n'a pas été créé pour lui. This current world has not been created for him. C'était pour les hommes. It was for human beings like us. Sucer les oranges, cultiver les patates. Eat oranges, cultivate potatoes. Élever les animaux, égorger, manger à sa faim. Cattle, slaughter them and eat to your satisfaction. C'est l'homme, c'est le bonheur de l'homme. This is the happiness of mankind. Pour lui, il était en haut là-bas. For him, were upstairs. Il a péché, on l'a chassé, il est tombé. He committed sins, he had been casted out, and donc, he fell down. Il veut vivre sur ton dos. And he wants to live on your back. Même quand on le chasse. Even when he is casted. He roared. He's just roaring. Il se dit. He tells himself. S'il s'endort. If he sleep, if he fell asleep. Je vais revenir. I will come back. Tous les croyants qui connaissent cette vérité. All the believers who are aware of this truth. Ont déjà gagné la bataille. Has already won the fight. Veillez. Watch out. Votre adversaire. Your adversary, your enemy. Le diable. The devil. Rôde comme un lion rugissant. Is rolling as a roaring lion. Cherchant qui il va dévorer. Looking for who to devour. Donc même là, si on vous êtes assis. Yourself, si je viens là, if I come, je te saisis, j'arrache ta chaise. I take you and take your chair. Ne serait-ce que ça, ta chaise, je donne à une autre personne. And I give it to someone else. Ça va te faire mal. You'll be hurted.
Mais ce qui arrive à Satan est plus que ça. And what is happening to Satan is more than that. Que des petits enfants que Jésus a sanctifiés. That Jesus has sanctified. Arrive. Come. Quitte. Say go. Il veut résister, on coupe la tête. Vous he avez wants to resist, but cut his head. On coupe la tête du serpent. The snake head is cut. C'est une guerre réelle. Jésus ne s'amuse pas. It's a true war. Jesus is not joking. Je vous dis, frère bien-aimé. I'm telling you, beloved brothers. Je prie que Dieu te donne la révélation de sa gloire. I pray that God gives you the revelation of his glory. Dieu a des armées. God has armies. Les anges. Angels. Il y en a qui viennent donner les révélations et ils ne luttent pas. Ceux-là ne luttent pas. Who come for only for revelation, they don't fight. Même si tu les provoques, même ils ne s'occupent pas de toi. Even if you provoke them, they don't care. Mais il y a une autre catégorie. There is another category. Un autre rang. Another type. Les anges destructeurs. The destroyers angels. Ceux qui ont mis l'Égypte en pleurs. They are the same who put Egypt in tears. Si Dieu leur dit, if God tells them, descendez dans telle ville. Go down in this town. Frappez. And strike. S'ils n'arrêtent pas ici, fait 5 minutes, ils vont finir les habitants. In less than 5 minutes, they will finish with everybody there. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, les têtes qu'on coupe là, ce sont des réalités. So the head which are being cut are realities. Dieu leur a dit frappez. God told them go and strike. Ôtez les obstacles sur le chemin de ces enfants qui crient là-bas. Remove obstacles on the ways of those shouting, crying children. Et on va encore crier aujourd'hui. Quand tu cries, and today we are going to cry c'est again. Sérieux. C'est ça qui touche notre Père. When you are crying, cry seriously. This is what moves our Father. Et ton Père te dit. And your Father is telling you. Le diable est en colère. The devil is angry. He rode. He's rolling. He rode. He's rolling. Et je vous ai dit l'autre jour. And I told you last day. La première venue de Jésus. The first coming of Jesus n'était pas pour traiter le dossier de Satan. Was not to sort out the file of Satan. C'était pour offrir une offrande agréable à Dieu pour que l'humanité puisse être sauvée. It was to offer a pleasant offering to God for mankind to be saved. Donc il devait aller à la croix. So he were to go on the cross. Ce n'était pas négociable. This was not negotiable. C'est pour cette raison que quand Jésus a demandé à son père d'éloigner de lui la coupe si c'était possible, le père a refusé. This is why when Jesus asked his father to remove the cup, it were possible. God replied that it was not possible. Si Jésus se retire, qui peut verser l'eau? Il n'y a pas if quelqu'un Jesus sur la terre qui a un sang pur. Who can share his blood? As there is no one on earth who had a pure blood. Jésus a compris que son père avait décidé. Jesus understood that his father had decided. Et il est allé à la croix. And he went to the cross. Et dans à la croix, il a dit tout est accompli. And being on the cross, he said everything is done. C'est-à-dire l'offrande est offerte. It means that the offering has been done. C'est cette offrande qui nous permet de nous tenir devant toute l'armée de Satan pour dire que nous sommes les enfants de Jésus. Nous vous combattons maintenant. Libérez nos biens. This is why, this is the offering that allows us to stand before all the army of Satan and say we are the children of God and we command you to set our goods free. Quand Satan veut résister, when Satan wants to resist, il voit le sang de Jésus. He sees the blood of Jesus. Il voit le sang de Jésus. He sees the blood of Jesus. Le sang de Dieu veut dire que quoi? What does the blood of Jesus mean? Que on ne voit plus tous les péchés que tu as commis là. On it ne les voit that plus. They don't see anymore all the sins that you committed. Tu es purifié. You are purified. Alléluia. Amen. Et comme Dieu and as God nous aime,
loves us. Et comme nous sommes les enfants de la lumière, and as we are children of light, notre Père nous dit, our Father tells us, soyez sobre. Be sober. Ayez une conduite modérée. Have réglée. A moderated, a revised behavior. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend juste que tu fasses encore un tour chez cette prostituée. Because there is someone just waiting for you to do a little turn to this prostitute. Là, il va rebondir. And then he will come back, jump. Et tu seras surpris. And you'll be surprised. Et les gens qui t'ont trompé que Satan est dans le lac de feu déjà. And people who deceive you. Ne seront pas là pour te sauver. Saying that Satan is already in the lake of fire, won't be there to save you. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce que je dis, c'est pour te préparer à conserver toute ta richesse après la journée du 9. What I'm telling is to prepare you to keep all your riches after the day of the 9th. La première chose que tous les démons vont rechercher. The first thing that all the demons will look for. C'est que chacun retourne dans son péché. Is for everyone here to go back to his sins. Ici, c'est comme si nous étions à un siège. C'est comme si nous sommes allés camper devant l'ennemi pour casser it's like son we are royaume. In a sitting. It's like we have gone and came before the enemy to cut his kingdom, to destroy his kingdom. Et nous avons cassé. And we did it. Après ça. After that. La première chose. The first thing. C'est, est-ce qu'ils sont toujours debout? Are they still up? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Oh frère, sois debout. Oh brother, remain standing. Quand tu es tenté, when you are tempted, il faut résister. Resist. Il faut résister. Resist. Quand tu es tenté, when you are tempted, il faut résister. Resist. Quand on va te provoquer, when people will provoke you, il faut résister. Resist. Quand quelqu'un va t'insulter, when someone will insult you, faut pas répondre. Don't reply. C'est le diable qui lui dit, débrouille-toi pour moi. Si ça marche, tu m'appelles. And it is the devil telling him, try for me, and if it works, call me. Le diable lui dit, the devil tells him, débrouille-toi. What? Try. Si ça marche, if it works, tu m'appelles. You call me. Et lui aussi se débrouille. Tu penses que c'est un être humain comme and toi. And you too are managing, and you believe that he's a human being like you. Alors que Satan l'utilise comme le Saint-Esprit t'utilise aussi pour Jésus. While the devil is using him as the Holy Spirit also used you for Jesus. Il obéit à son maître. Toi, tu dois obéir à ton maître. He obeys his master. You too must obey your master. Les jeunes convertis new converted doivent être très sérieux. Must be very serious. Parfois, vous aurez l'impression que tous les désirs vous ont enveloppé. Tous les sometime, désirs. Sometimes you will have the impression that all your desires have surrounded you. Il faut résister. Resist. Lis pour nous. Read Jacques, for us. Jacques chapitre James, 4. Chapter 4. Du verset 1 au verset 6. Verse 1 to 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable,
il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Submit yourself to God. Résistez au diable. Resist the devil. Et il fuira loin de vous. And he will flee away of you. Ça, c'est une autre arme spirituelle. This is another spiritual weapon. La résistance à Satan. Resistance to Satan. Soumettez-vous donc à Dieu. Submit yourself to God. Résistez au diable. Resist the devil. Et il fuira loin de vous. And he will flee away of you. La résistance. Resistance est une puissance. It's a power. Parce que dans la résistance, because in resistance, il y a le refus. There is a refuse. Il y a le rejet. There is rejection. Il y a la détermination. There is determination. Tu dis je ne veux pas. You say I don't want. Tu tiens ferme. You remain firm. Le diable va commencer à reculer. And the devil will start backsliding. Si tu manifestes l'instabilité. If you show instability, il va t'envelopper rapidement. He will surround you quickly. Et tu seras comme si tu n'avais jamais dit oui à Jésus. And you will become like you have never said yes to Jesus. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Notre adversaire. Our adversary. Ce n'est pas un être humain. It's not a human being. C'est Satan lui-même. It's Satan himself. Il peut se cacher. He can hide. Sous un animal, un être humain. Under an animal. Or a human being. Mais ne te trompe pas. But don't mistake. L'arme pour le vaincre. The weapon to kill him or to overcome him. N'est pas charnel. It's not carnal. On t'insulte. You are being insulted. Donc si tu insultes. You reply. Tu as perdu la bataille. You have lost the battle. On te maudit. You are cursed. Donc si tu maudis, you curse too. Tu as perdu la bataille. You have lost the battle. Parce que les êtres humains, because human beings, sont des esclaves, are slaves. Et c'est toi et moi qui devons les délivrer. And it's you and I we should deliver them. Quelqu'un te maudit. Someone curse you. Tu le bénis. You bless him. Quelqu'un veut que tu périsses, que tu meurs maintenant. Someone wants you to perish, that you, he wants you to die now. Tu demandes à Dieu de lui ajouter des jours. You ask God to add days on his life. Il veut que tu dormes affamé. He wants you to sleep without eating. Tu pries que Dieu lui donne le pain quotidien. Pray that God give him his daily bread. Tu as gagné. You have won. Lis pour nous 1 Pierre. Read for us 2 à partir du verset 21. 2 from verse 21. 1 Pierre 2 à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retourné vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Jésus-Christ a laissé les traces. Jesus Christ has left traces. Afin que chacun de nous, en marchant, puisse suivre son exemple. While walking, can follow his example. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que le Seigneur Jésus-Christ. That the Lord Jesus Christ. A laissé les traces. As pour que chaque être humain. For every human being, puisse suivre son exemple, to follow his example, dans sa marche, in his walk, dit nous proclamons, we proclaim, que Jésus-Christ a laissé les traces, Jésus a laissé les traces, has left traces. Il y a des gens qui disent je ne sais pas ce que je dois faire. There are people who say I don't know what I should do. Parce que je fais comment? Pastor, why? How do I do? Qu'est-ce que Jésus a fait? What has Jesus done? Jésus-Christ a laissé les traces. Jesus has left. Quand on lui donne un coup de poing, pam! When they give him
A bang. Ce qu'il a fait là. What he did. Si on te donne un coup, fais ça aussi. If you are given another bang, do the same. S'il a frappé, frappe. If he bought, he beaten people, do it. S'il a laissé, laisse. If he did not reply, don't reply. Dis, nous proclamons. Yes, we proclaim. Que Jésus-Christ. That Jesus Christ. A laissé les traces. A laissé les traces. Has left example. Afin que nous puissions suivre son exemple. So that we may follow his example. Dis, nous proclamons. We proclaim. Qu'il y a un exemple à suivre. That there is an example to follow. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. It's the Lord Jesus. The Lord Jesus. The Lord Jesus. Il se remettait à Dieu. Je vous dis une chose. Let me tell you something. Si on te maltraite, if you are being ill-treated, si tu te remets à Dieu, if you count on God, tu verras le résultat. You will see the result. Si tu essaies de résoudre, tu, if seras, you try to sort it out, tu seras frustré, fatigué. You will be frustrated and tired. Mais si tu te remets à Dieu, but if you count on God, tu seras heureux. You will be happy. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. He said, count on God and he will walk. Si tu ne lui confies pas, if you don't entrust him, il te regarde. He look at you. Quand tu vas partir, when you'll go home, ne l'oublie jamais. Never forget that. Celui qui résiste à Satan, the one who resists Satan, est en train de remporter une grande victoire. He is winning a great victory. Si après tous ces combats, if after all those battles, tu cèdes à une petite tentation, you fall into a small temptation, tu as perdu. You have lost. C'est ce que tes adversaires désirent. It's what your adversaries want. Tous les esprits humains qui ont été chassés là. All the human spirits that have been casted out. Certains sont des êtres humains vivants. Ils some savent que are living human beings. Ils connaissent le nom d'Atikwa. Ils connaissent tout ça. They ils savent où tu es parti. Name of Atikwa. They know where you have gone. Quand les démons qu'ils ont envoyés sont retournés. When the demons that the saint came back to them. Ils savent. They know. Un jour. One day, à Douala, au Cameroun, in Douala, in Cameroon, nous avons délivré une femme. We delivered a woman. Elle était dans un foyer où deux femmes avaient déjà fui. She was in an household where two wives had already fled away. La première femme, the first wife, est restée longtemps dans le foyer. Remained long time in this household. Mari de nuit. Spiritual husband. Elle a fui. She fled away. Sans enfant. No children. Quand elle est partie, when she left, elle est tombée enceinte. She fell pregnant. La deuxième femme est venue. The second wife came. Après plusieurs années sans enfant. After many years without children, sous l'oppression des maris de nuit, under the oppression of spiritual husbands, elle a fui. She also fled away. Après sa fuite, elle a eu un enfant. After that, she got a baby there. La troisième, c'est celle que je connais, is the one I know, qui est venue nous solliciter pour l'aider. She came and asked for our help. Après 8 ans, after 8 years. Elle disait que l'enfant, elle était venue avec un enfant. L'enfant avait déjà 8 ans. She came with a child, and this child was already 8. Pas de grossesse. No pregnancy. Elle me dit, les maris de nuit là, même dans la journée, she si said, elle essaie même day, de se reposer sur le divan, when mari de nuit vient. To rest, the spiritual husband come. Nous l'avons délivré. On a fait son brise. D'abord, on l'a conduit à la repentance. We first of all lead her to repentance. Nous avons brisé les liens. We broke the ties. Après, elle a conçu. And later on, she fall pregnant. La grossesse a bien évolué. Elle a accouché. The pregnancy goes till deliverance. Mais ce que je veux partager, c'est quoi? What I want to share. Le marabout avait placé un fétiche à la maison. The fetish. Un marabout. The magic doctor had put a fetish in the house.
Et ce fétiche avait déjoué tout le monde, tous les petits sorciers qui avaient tenté d'enlever. And this fetish had deceived everybody. Any kind of magic doctor would try to remove it. Et ils sont venus, ils n'ont pas pu. They came and they did not succeed. Donc, pendant qu'on priait après le brisement des liens, nous sommes partis prier à la maison. After the breaking of evil ties, we went and prayed in the house. Elle a crié, c'est ça ici, c'est ça, c'est ça. She said, this is it. On demande, c'est quoi? We said, what elle is dit, it? C'est ça que quand les autres viennent là, ils ne voient pas. C'est ça this ici. This is what when they overcome, they don't see. Que le féticheur avait donné. The magic doctor gave it. On a pris. We took it. On a brûlé. We burned it. C'était un fil rouge. Quelque it chose était emballé dedans. Nous n'avons pas cherché à savoir ce que c'était. We don't know what was inside. Le lendemain, the coming day, ce marabout qui était parti depuis des années, this magic doctor who left for years, est venu rendre visite à cette femme. Came and visit this wife. Bon, elle avait un peu peur. She was scared. Parce qu'il fallait qu'elle déclare son identité. Because she were to introduce herself, a new identity. C'était pas une sorte, c'était pas une peur négative ou avilie. Elle ne savait pas avec quelle politesse lui dire que je ne suis plus avec vous. She didn't know how to tell him politely that she is no more with him. Après, elle dit, moi je ne suis plus là. J'ai donné ma vie à Jésus. She said, I've given my life to Jesus. Il lui dit, je sais. He says, I know. Mon esprit m'a dit. My spirit told me. Et il lui a donné sa carte. And he gave her a card. C'est-à-dire, il vient rétablir le contact. She came back to rebuild the link. Quand nous étions des jeunes pasteurs là, on était zélés. Hein? While we were young pastors, we were very fervent. On peut te rendre visite deux fois, trois fois par jour. We can visit you two or three times a day. Donc, il est passé, nous sommes passés. So when he came, we came too. J'ai déchiré sa carte. I just destroyed the card. C'est fini, qu'il ne revienne plus. I said it's finished, he will never come back. Hallelujah. Amen. Donc les jeunes pasteurs qui restent des semaines, les nouvelles âmes donnent les noms. Après on fait deux semaines sans les appeler là, ils ont déjà échoué. C'est le même jour. The same day. Parce que le diable rôde. Because the devil is rolling. Il y avait une sœur qui, ses amis du monde, c'était des directeurs. There were a sister whose friend, world friends were directors. Dès qu'elle a cru. As soon as she believed. Je peux la prendre le matin. I can take her in the morning. On rend visite, on prêche, on we prêche. Visit je people, vais la déposer, 19h, fatiguée. And I send her back at home. At 7, she was tired. Les grands l'ont cherché pendant longtemps. On ne sait pas où il se trouve. People look for her, they don't know where to find her. Un jour, un d'entre eux l'a croisé, dit que tu es déjà avec un autre là. One day, some of them met her and said, you are already with someone else. En fait, c'est des choses que nous verrons au collège pastoral. These are things that we'll see in the pastoral school. C'est il faut un marquage. You must mark. Sérieux. A serious marquage. Si bien que quand la personne te voit, il te regarde, il se dit que ah, celui-là me dépasse. So that when the people see you, he say this one is over me. Lui croit que tu es rival, il croit que toi aussi tu es comme lui, donc il se dit he que tu es plus fort que lui. You are like him, and he tells himself you are bigger than him, you are stronger than him. Est-ce que nous sommes ça? Are we together? Je me souviens un jour. I remember one day. Quelqu'un est entré dans sa chambre. Someone entered in a bedroom. Comme il faisait souvent. As he used to do. Avec un billet d'avion et des papiers pour une maison achetée en France. And a paper for a house bought in France. Et tu vois. You say, you see. Voici les clés, voici these le billet d'avion. And the flight ticket. Elle dit que sors, mon pasteur arrive. She said, go out, my pastor is coming. Quelques minutes, j'étais là. Minutes later, few minutes later, I was quelques there. Quelques minutes après. Few minutes later. J'étais là. I was there. C'est ça le ministère pastoral. This is the pastoral ministry. Tu es là, si bien que si c'est un coup de poing. You are there. Encaisse. So that if it is a quick out, you are there. Mais tu protèges la brebis. And you protect the flock.
Je me souviens, une sœur m'avait dit que son mari dit que s'il me voit, il va me tailler avec la machette. I remember a sister told me that her husband said that if he found me, he will cut me into pieces with a machete. J'ai cherché sa maison. I looked for her house. J'ai fouillé dans les quartiers. I searched in the areas. On m'a indiqué. And I have been shown. J'ai frappé à la porte. I knocked at the door. Dès qu'elle a ouvert, elle m'a vu. Elle as tremblait. As she opened, she was parce trembling. Que le mari était she dedans. Saw me because her husband was there. Elle tremblait. She was trembling. Dit mon mari, là, je dis, je veux le voir. She said, my husband is there, and I told her I want to see him. J'étais ferme, tranquille. I was strong and et j'étais rempli de cet effort and rempli filled de cet with the Holy Spirit. You should be filled with the Holy Spirit. C'est-à-dire, il y a un courage de Dieu que tu ne peux pas décrire aux hommes. There is a courage that God gives that you cannot describe to human beings. Je suis entré. I entered. Elle a dit à son mari que le pasteur veut le voir. She told her husband, the pastor wants to see you. Il était colosse. He was big. Il s'est assis. He sat down. Je me suis mis à le réprimander. I started rebuking him. Je lui dis, vous avez une femme. I told him, you have a wife. Qui va quelque part. Who goes somewhere. Et elle vient te dire où elle va. She come and tell you where she's going. Au lieu d'aller regarder pour savoir ce que c'est, tu menaces. Si elle instead, ne t'avait pas dit, tu allais savoir qu'elle va où. Instead of going and check where she's going, et si you c'est are une, treating si, her. Si c'est une mauvaise chose, si if la it, chose est mauvaise. If it is a bad thing. Donc il était là. So he was there. Après, il est devenu, il a cru un jour. Later on, he believed. Hallelujah. Amen. Il dit, ta femme est une bonne femme. Elle te your dit que je vais là-bas. Tu menaces. Sans you aller are regarder going there. Pour voir ce que c'est. You are treating her instead of going and check what it is. Mais il n'y avait pas d'arrogance dedans. C'était le Saint-Esprit. I was not impolite. It was the Holy Spirit. Je ne sais même pas être arrogant. I don't even know how to be donc, impolite. C'est pour vous dire que c'est un combat. It's a battle. Que personne ne vous trompe que quand on va finir là, et même les oppressions, le diable va essayer de venir. Even for oppression, the devil will try to come back. Lis un peu un roi. Let's read 1 King. Chapitre 22, versets 20 à 23. Chapter 22, verse 20 to 23. Le diable peut aller là où Dieu rassemble ses enfants. The devil can go where God gathers his people. Il vient. He comes. Qui le savait? We knew that. Qui sait que le diable peut who aller knows là that the devil can que, go quand Dieu a une réunion avec des anges? Where qui, God has a meeting with the angels. Qui sait que Satan peut aller who knows that Satan can go si tu to le that savais, meeting? Si tu le savais, tu es béni. If you knew it, you are blessed. Oui, lis rapidement. Le passage, un roi. Un roi 22, 20 à 22. 1 King 22, 20 to 22. Un roi 22, 20 à 22. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. » Sors et fais ainsi. Lis Jean 13, verset 27. John 13, verse 27. Jean, chapitre 13, le verset 27. Je lis la parole de Dieu. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Le premier passage dit que the first asset says, Dieu voulait égarer le roi d'Israël. God wants to lose
the king of Israel, à cause de ses péchés. Because of his sins. Et il avait rassemblé son armée and he gathered his army, et avait posé la question de savoir ce qu'il fallait faire pour tromper Achab afin qu'il meure à la guerre. To ask them what to do to deceive Achab, to so that he lose the war. Avant même que l'armée de Dieu réponde, un esprit de mensonge est venu se présenter. Before the army of God to reply to him, a spirit of liars came. Il dit à Dieu que moi je peux. And told God I can do it. Dieu lui demande, tu vas procéder comment? God asked him, how will you do? Il lui dit, comme ces prophètes sont des menteurs là, moi je suis un esprit de mensonge. I'm a je spirit veux of entrer lies. Dans leur bouche. I will enter in the house. Et ils vont prophétiser le mensonge. And they will prophesize liar. Et il va croire. And he will believe. Quand il va aller, il va mourir là-bas. When he will go, he will die there. Dieu a vu que sa formule était correcte. Il dit, va faire. God saw that his formula was correct, and he said, go and do c'est, it. C'est ça qu'on appelle Dieu livre quelqu'un. This is what we say God has set, given someone to Satan. Donc tu dois connaître cette doctrine-là. Tu dois savoir qu'il y a des gens que Dieu livre même à Satan. You must know this doctrine. You must know that. There are people God gives to Satan. Le deuxième passage parle de Judas. The first set is about Judah. Jésus a choisi les apôtres. Jesus chose the apostles. Il leur a donné du travail. He gave them some work. Il s'est révélé à eux. He revealed himself to all of them. Judas a bénéficié de tout ça. Judah profited of all that. Et même. And even. Il a eu un poste glorieux, trésorier de Jésus. A glorious position, the treasury of Jesus. Mais qu'est-ce qu'il faisait? But what is he il volait souvent l'argent. He used to steal the money. Il volait souvent l'argent. He used to steal the money. Quand le temps pour livrer Jésus est arrivé, the time to give Jesus came, le diable vient. The devil came. Il trouve que Judas était l'homme qu'il pouvait utiliser. He found that Judah was the man he could use. Un voleur. A thief. Et il est entré en lui. And it enters Judah. Où? Where? Devant Jésus. Before à une Jesus. Réunion des hommes sanctifiés. During a meeting of sanctified people. Certains d'entre vous peuvent voir l'ennemi dans un songe. Ce n'est pas ça qui est déterminant. Some of you can see the enemy in a dream. This is not what is the most important. Il faut étudier. Est-ce que, si c'était un combat, est-ce que tu as eu la victoire ou bien tu as perdu la victoire? You must study how, if it were a battle, did you have a victory or not? Donc, il faut faire régulièrement le travail du déracinement des idoles et la plénitude du Saint-Esprit. You must regularly do the work of uprooting of idols. Le matin, tu examines ton esprit. Tu in demandes the morning, la plénitude du Saint-Esprit. You check your mind, your spirit, and you request the fullness of the si Holy Spirit. Si tu marches, if you are walking, si tu convoites une femme, if you envy a lady, ne dis pas que je veux aller à la retraite pour don't traiter say, I will ce go problème. On a retreat to treat this problem. Demande, comme tu as péché en marchant, repens-toi en marchant as et you demande committed la plénitude a sin du Saint-Esprit. While walking, beg God forgiveness while walking and request the fullness of the Holy Spirit. Le diable va dire à ses agents que the devil will tell his agents. Il connaît son père. He knows his father. C'est fini. And it's finished. On a perdu. And résistez au diable. Resist the devil. Et il fuira loin de vous. He will go far from you. Fuira, he will go far. He will go. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et quand tu résistes, and when you resist, ne laisse pas l'ennemi t'exhorter. Don't let the enemy advise you. Quelqu'un qui résiste et le diable vient lui dire que tu vois, tu n'aimes pas Dieu. Someone who is resisting and the devil tells him, see, you don't love God. Faut pas accepter. Don't accept. Faut dire que moi j'aime Dieu. Say me, I love God. Que je résiste. And I resist. Ça c'est la maturité. This is matureness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, so, chacun va prier. Each, everyone will pray. Tu dis Seigneur. You say Lord. Je ne veux pas être enfant
au sujet du discernement. I cannot be a child regarding judgment, discernment, sorry. Je ne veux pas être un petit croyant que les démons vont tromper. I don't want to be a small believer that devil or demons will deceive. Tu veux que je résiste. You want me to resist. Je ne veux pas pleurnicher. I don't want to cry. Weep. Comme un petit faiblard. As a small weak. Dis, je suis vainqueur. I am a winner. J'ai les armes pour résister. I have the tools to resist. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'un des grands enseignements qu'on donne aux jeunes convertis. One of the great teaching that we give to the new converted. C'est ce que j'appelle la crise de la conversion. It's what I call the crisis of conversion. Il y a eu beaucoup de nouveaux convertis. There have been lot of new converted. Ils sont déjà plus de 2500. There are more than 2500. Ce soir, d'autres vont s'ajouter. Today, some will add. We will add some. Il faut dire aux jeunes convertis. Tell the new converted. Que après avoir laissé la fornication. After having given up fornication. Certains auront envie de forniquer comme ils n'ont jamais eu depuis qu'ils sont nés. Some will have a desire to commit fornication as they have never have it in the past. Mais ça ne va pas durer. But it won't last. Parce que ça vient du diable. Because it comes from the devil. Quand le diable veut tenter, il fait. When the devil wants to tempt you, you do like that. Après. And later on. C'est fatigant, il tombe. He's tired. And ça ne va pas durer. It won't last. Vous voyez comment il a tenté Job. You see how it un seul jour, les maisons sont brûlées, les brebis sont brûlées, tout le monde. The flock, après. Everything. Et après. And later. Job est là. Tu vas encore détruire quoi. What are you going to destroy now? Il n'a même pas eu la sagesse qui casse d'abord une maison. He could après, have a wisdom to say, la résistance. Zéro, tout le monde. Broken house. He destroyed everything. Donc il suffit de rester calme même. So you just remain calm. Tu gagnes. And you win. Jésus Christ. Jesus Christ. Il dit le calme prévient des grands péchés. He said calm prevents from great sins. Le diable n'a pas la patience. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas comme lui. Il the ne devil le sera jamais. Is not Jesus. He is not like him, and he will never be like him. Hallelujah. Amen. Tiens ferme. Remain firm. Il y a un frère qui s'appelle Jore, il n'est pas là. There's a brother called Joe, he's not here. Jore. Après sa repentance. After his repentance. Une fille l'a trouvé dans sa chambre. A girl found him in his bedroom. C'est-à-dire la fille entre dans sa chambre, la she fille ferme la porte, met la clé. And she locked the door and keep the keys. Tu couches avec moi. And she said, you sleep with me. Les deux, c'est Joré dans sa chambre, Joré la fille a la clé de la porte. In his bedroom, and the girl has the keys of the bedroom. Ça c'est, le diable sait que celui-là, il ne peut même pas développer des désirs. Donc il faut quelqu'un pour aller l'agresser. The devil knows that this one cannot even develop his desire, so we need to go and aggress him. Il a demandé pardon. He il a supplié. Il a supplié. Il a supplié. He begged. À un moment donné, il a commencé at à prier time, que Seigneur. He starts saying, Lord. Bon, si tu ne me délivres pas. If you don't deliver me. Bon. Il était toujours fort, mais. He was still strong, son but. Esprit. But his mind, his spirit. S'ouvrait déjà à une petite being faiblesse. Open to a small weakness. Et il voulait raisonner en disant, bon, si tu ne me délivres pas, ce qui va arriver là, c'est ta responsabilité. He wanted to tell the Lord, if you don't deliver me, what will happen is your responsibility. Et c'est à ce moment-là it's at that time que la fille a eu pitié de lui. That the girl pitied him. Et l'a laissé. And left. Ça fait partie de la
des combats de la crise. C'est-à-dire que la conversion va attirer beaucoup de pression sur toi. It means that your conversion will attract lot of pressure on you. Il y a une promesse de Dieu. There is a promise of God. Lis pour nous 1 Corinthiens 10. Read for us 1 Corinthians 10. Tu lis le verset 11, tu lis le verset 11, 12, 13. Verse 11, 12, and 13. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11, 12 et 13. Je lis la parole de Dieu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Ça, c'est une promesse. Tu dois réciter ça. This is a promise. Parmi les versets bibliques que le jeune converti doit réciter. It must be among the biblical verses that the new convert should keep in his heart. Tu es debout. You are standing. Prends garde de tomber. Watch out not to fall down. Que personne ne te trompe pas, que Dieu, quand tu tombes là, Dieu aime ça, non. Let no one deceive you, telling you that when you fall down, God loves it, God likes it. Une chute n'est pas une offrande à Dieu. A fall is not an offering to God. Quand tu tombes, when you fall down, les anges, the angels, sont affligés. Are afflicted. Pourquoi? Why? Ils sont obligés. They are forced de quitter ta vie. To leave your life. Parce que Dieu les a postés là pour te garder. Because God has posted them there to keep you. C'est pour ça qu'il a dit dans Exode 23. This is why it is told in Exodus. À partir du verset 20, il dit que mon ange va venir 20, avec vous. My angel will come with you. Mais ne péchez pas. But please don't commit parce sins. Parce qu'il ne va pas supporter vos péchés. Because he won't bear your sins. Quand j'ai cru. When I believed. Quand Dieu me délivrait de l'immoralité. When God were delivering me from immorality. Il m'a posé, je marchais. I was walking. Il me dit, est-ce que tu sais que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu? He asked me, do you know that angels are around people who fear God? J'ai dit, oui. I said, yes. Il a dit, est-ce que tu sais? And he said, do you know? Que quand quelqu'un pêche, il se retire. That when someone commits a sin, they leave him. Et il me dit, il y a donc des gens qui ne sont jamais protégés. There is therefore people who are never protected. Parce que leur manière de vivre a déjà chassé tous les anges que Dieu avait envoyés pour veiller sur eux. Because the way they live as chasing all the angels that God has sent to watch on them. C'est là où j'ai reçu la révélation même de la protection des enfants de Dieu. This is where I received the revelation of the protection of children of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Résiste à Satan. Resist Satan. Il y a un frère. Il y avait un frère, un inspecteur de police. There is a brother, a police inspector. Que j'avais gagné à Christ. That I won to Christ. Il buvait. He used to drink. Sa femme dit qu'il rentrait chaque jour ivre. His wife told me that he always came came home drinking. Moindre chose, je vais tirer sur toi. Il a son pistolet là. He has a gun. La femme dit qu'elle avait toujours peur. His wife said that she was already scared. Moindre always problème, scared. Il sort son pistolet. Any issue, he removed a gun. Un jour, one day, je sortais du bureau de mon patron.
I was getting out from the office of my manager. Et nous nous sommes croisés. And we met. Dès que nous nous sommes croisés, as soon as we met, il a commencé à pleurer. He started crying. Il dit, mon problème, c'est l'alcool. He said, my problem is alcohol. Mon problème, c'est l'alcool. My problem is alcohol. Il dit, le Saint-Esprit the Holy avait Spirit travaillé en quelques had already worked in some minutes. Et une voix m'a dit, and a voice told me, il ne faut pas l'humilier. Don't humiliate him. Je lui ai dit, ne pleure pas. I told him, don't cry. Trouve-moi au bureau. Find me in my office. Je lui ai parlé de Jésus. And I spoke to him. Il a cru. Il a cru. He believed. D'une façon authentique. And in a genuine way. Voilà donc son ami de boisson le cherchait. This is his friend of alcohol were looking for him. Envoyé par le diable, comme dit le frère André. Sent by the devil, as brother André is saying. Il a pleuré. He cried. Il a pleuré. He cried. Il dit, mon ami. He said, my friend. Pardon. Please. Bois pour la dernière fois. Drink for the last time. Il s'est mis à genoux. He knelt down. Il à genoux en pleurant. And he was down, crying. Le frère dit qu'il a été tenté, secoué. The brother said that he was choked and he was tempted. Et il a commencé à faire une étude biblique sur l'alcool. And he started making a biblical study on alcohol. Il a lu les versets. He read the verses. Heureusement que Dieu est bon. Happily God is good. Il a compris qu'il ne doit pas boire. He understood that he should not drink. Il est venu me rendre témoignage. He came and gave me the testimony. Il avait été très secoué. He was really moved. J'ai dit ça pour dire que les crises ne sont pas les mêmes chez tout le monde. I'm telling this to say that crises are not the same in everybody's life. Chez celui-ci, c'est son corps est envahi de ses propres désirs. This one body is invaded by its own desires. Ça c'est après la conversion, hein. This is after conversion. Après, il tient ferme. And he remained firm. Et Dieu intervient pour le délivrer. And God intervened to deliver him. C'est une promesse. It's a promise. Que Dieu ne permettra jamais que ça te dépasse. That God will never allow a temptation to go beyond you. L'autre c'est un individu. The other one is an individual. Les amis, les parents. Friends, parents. Tout ça. All that. Pour te ramener dans le péché. To send you back in sin. L'ennemi ne va pas attaquer tout de suite l'argent, non. The enemy won't attack quickly money. Il vient d'abord. He first come. Te faire tomber dans le péché. To make you fall down in sin. Donc, on peut conclure qu'on résiste à Satan en faisant quoi? So how can we conclude? Can we say that we resist Satan by doing what? En fuyant le péché, en résistant au péché. By resisting sin. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tenons-nous debout et intercédons. Please let's stand up and let's pray. Que aucun jeune converti. That no non new converted. Ne perde la bataille. Lose the fight, the battle. Et attendons un peu. Please, let's wait. Asseyons-nous. Let's sit down. S'il vous plaît. First, please. Si tu es un invité. If you are a guest. Parce que on allait prier pour les jeunes convertis sans toi. Because we are about to pray for the new converted without you. Or, il faut que ceux qui doivent être sauvés aujourd'hui viennent pour que nos prières les couvrent aussi. Why it takes that all people who should be saved today come so that our prayers covers them too? Est-ce que tu es là comme en tant qu'invité? Si tu veux donner ta vie à Jésus, are you here viens, as viens a guest? Tout de suite. If you want to give your life to Jesus, come quickly. Voilà un qui vient tout souriant. This is one coming smiling. Venez en faisant comme lui. Come and do like him. Courez même parce qu'on doit prier. Run, run, run. Venez, 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 venez rapidement. Come quickly. Où sont les autres? Where are the others? Venez, venez, venez. Come. Où sont ceux qui les accueillent? On allait prier sans vous. Venez maintenant. We are about to pray without you.
Comme ça, vous entrez dans la bénédiction. So you enter in the blessing. Les prières vont vous cacher sous le sang de Jésus. Prayers will hide you under the blood of Jesus. Résistez au diable. Resist the devil. 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 Et il fuira loin de vous. And he will get far from you. He will get away of you. Il fuira loin de vous. He will get away of you. Acclamez, acclamez, acclamez. Clap, 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 clap. Acclamation à Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Résistez au diable. Resist the devil. Et fuira loin de vous. And we flee away of you. Résistez au diable. Resist the devil. Et fuira loin de vous. He will flee away from you. Si tu n'es pas encore sauvé. If you are not saved yet. Dis à Satan. Tell Satan. Je donne ma vie à Jésus. I give my life to Jesus. Je me sépare de toi, je me sépare de toi. I separate from you. Oui, venez, venez, venez. Yes, come, 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 come. Ce côté-ci n'acclame pas. Vous n'êtes pas content quand les gens laissent abandonner. You are not clapping. Are you not happy when people give their life to Jesus? Et vous là-bas, and vous you, êtes fatigué. Are you tired? Offrande d'acclamation à Saint-Jésus. Let's clap for Jesus. Qui a ses effets dans la sous les bâches? Who has his stuff under the canopies? Allez chercher s'il vous plaît, parce qu'on va vous donner des places. Go and fetch it, please. Quand nous commençons la prière, nous n'allons plus arrêter. Qui a laissé ses effets? Allez chercher. Go and take your stuff on your chairs. Si tu es un rétrograde, if you are a backslider, n'attends pas un appel spécial. Don't wait for a special call. Lève-toi, tu reviens. Stand up and come back home. Si tu as honte, if you are ashamed, profite pendant que les autres marchent, tu te lèves. Ça va couvrir ta honte. Come while people are walking. It will cover your shame. Est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui doivent donner leur vie à Jésus l'ont fait? Are you sure that everyone who should give his life to Jesus has done it? Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu vis en concubinage, if you are living in concubinage, tu dois donner ta vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Parce que tu n'es pas pardonné. Because you are not forgiven. Tu vis dans le péché. You are living into sin. Jésus a dit à une femme, Jesus told a lady, va appeler ton mari. Go and
Call your husband. Elle a dit, je n'ai point de mari. She said, I have no husband. Jésus lui a dit. Jesus told him. Tu as dit la vérité. You have told the truth. Tu en as eu cinq. You have had five. Même celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Even the one you are living with is not your husband. La question qu'on se pose. The question we ask ourselves. Comment devient-on épouse? How do we become a spouse? On doit payer ta dot. Your bride price should be paid. On doit te marier à la mairie. You must be married at the mayor office. La Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme. Il s'attache d'abord. The Bible says that the man will attach himself to his wife. Et les deux deviendront attached first. Et les deux deviendront une seule chair. And both become only one flesh. Mais toi, but you, tu t'es donné. You have given yourself avant l'attachement. Before attachment. Maintenant tu demandes pardon, il faut m'épouser. Pardon, il faut m'épouser. Il now refuse. Now you say, please marry me, and he refuses. Il t'a déjà essayé. He has already tried you. Tu as commis l'erreur. You committed the mistake. En permettant qu'on t'essaye comme une chaussure. By allowing him to try you as a shoes. Lève-toi et viens. Stand up and come. Tu t'assois. You sit. Tranquille parmi les frères. Quiet among the brothers. Comme si tu étais un enfant de Dieu. As you were a child of God. Mais ton cœur te condamne. But your heart is condemning you. Ton cœur te condamne. Your heart is condemning you. Sois vrai envers toi-même. Be true with yourself. Lève-toi et viens devant. Stand up and come here in the front. Sois vrai envers toi-même. Be true with yourself. Sois vrai envers toi-même. Be true with yourself. Si tu n'es pas vrai envers toi-même. If you are not true with yourself. Dieu, lui, il te connaît. God knows you. Il va te classer parmi les gens qui résistent. He will set you among people who resist him. Qui résistent à Dieu. Who resist God. Et tu ne vas rien gagner. And you will win nothing. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Satan. Satan. Éloigne-toi, Satan. Go far, Satan. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, if you don't obey the Holy Spirit, Dieu va fermer la porte. God will close the door. Tu n'obéis pas au Saint-Esprit. If you don't obey the Holy Spirit, Dieu va fermer la porte. God will close the door. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, if you don't obey the Holy Spirit, Dieu va fermer la porte. God will close the door. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, if you don't obey the Holy Spirit, Dieu va fermer la porte. God will close the door.
Si tu joues à l'hypocrite. If you are joking, you are playing. Si tu fais comme si tu es sauvé. You are doing like you are saved. Dieu va dire amen. God will say amen. Tu seras toi-même prisonnier de ton faux témoignage. You will be yourself prisoner of your false testimony. Tu seras prisonnier de ton faux témoignage. You will be prisoner of your false testimony. Tu seras prisonnier de ton faux témoignage. You will be prisoner of your false testimony. Lève-toi et viens. Stand up and come. Nous allons maintenant prier. We are now going to pray. Nous allons prier. Si tu dois venir, dépêche-toi. We are going to pray. If you have to come, please come quickly. C'est pas encore fini. It's not finished yet. C'est pas encore fini. It's not finished. Le Seigneur est en train d'appeler. The Lord is calling. Il faut ouvrir la porte. Open the door. Il y a une bataille. There is a battle. Au fond de toi-même. In your inner being. Lève-toi et viens. Stand up and come. Il y a une bataille au fond de toi. There's a battle in your inner being. Il y a une bataille au fond de toi. There's a battle in your inner being. Tu ne peux pas l'étouffer. You cannot choke it. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ton cœur est déjà devant. Your heart is already in the front. Mais tu restes assis. But you remain sitting. Le Seigneur t'appelle. The Lord is calling you. Toi-même, tu te poses la question. You are asking yourself. Qu'est-ce qui me fait rester encore assis? What make me remain sitting? Oh, toi-même, tu te poses la question. You are asking yourself, qu'est-ce qui me fait rester encore assis? Why am I still sitting? Parce que Dieu t'a déjà choisi. Because God has already chosen you. Tu as déjà entendu sa voix dans ton esprit. You have already heard his voice in your mind. Satan, va-t'en au nom de Jésus. Satan, go away in the name of Jesus Christ. Je t'arrache toute âme que tu veux retenir. We take any soul from you. Je t'arrache toute âme. I take any soul. Je brise les chaînes. I break the chains. Lève-toi et viens. Stand up and come. J'arrache cette âme dans tes mains. I take the soul from your hands. Je brise ton emprise. I break your rule.
Lève-toi. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Cette prière a délivré les gens. Lève-vous. This prayer has delivered people. Stand up and come. Cette prière a libéré les gens. This prayer has set people free. Stand up and come. Oui, venez, 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 venez. Yes, come. Je brise ton emprise. I break your rule. J'expose ta méchanceté. I break your wickedness. Où sont les autres? Where are the others? Je veux maintenant aller commencer la prière. I'm now going to start the prayer. Levez les mains. Put up your hands. Il y a une dernière personne. Where is the last person? Qui a déjà dit oui à Jésus. Who has already said yes to Jesus. Mais le Seigneur veut qu'il vienne ici. But the Lord wants him to come here. Si tu pries dans une église, if you pray, you currently pray in a church. Si tu priais pour le réveil dans ta vie, if you were praying for the revival in your life, si le Saint-Esprit t'a dit dans ton cœur, if the Holy Spirit has told you in your heart, que tu dois devenir un membre authentique de la CMCI. Lève that la main. You should become a true member of CM5. Put up your hand. Lève ta main que je vois. Put up your hand so that I see. Des pareilles personnes, on ne les cherche pas. Such people, we don't look for them. They know themselves. Viens. Come. Qui d'autre? Who else? Tu as reçu qu'il faut nous rejoindre. You have received that you must join us. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Et que le but pour lequel il vous envoie soit accompli. May the purpose for which he is sending you should be fulfilled. Dieu te connaît. God knows you. Il sait où il t'amène. He knows where he is sending you. Il sait ce qu'il te faut. He knows what you need. Levez les mains. Put up your hands. Dites, Seigneur Jésus. C'est Lord Jesus. Tu
Tu as dit dans ta parole. You said in your word. Que tu es le pain de vie. That you are the bread of life. Tu es le bon berger. You are a good shepherd. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Je veux te suivre. I want to follow you. Je veux te suivre. I want to follow you. Mais je compte sur toi. And I count on you. Je veux que tu changes mon cœur. I want you to change my heart. Parce que je prends l'engagement. Because I'm taking the commitment. De ne plus rentrer manger tout ce que je vomis maintenant. To not to go back and eat again what I have vomited. Tous mes péchés en parole. All my sins in my words. Tous mes péchés en pensée. In my thoughts. Tous mes péchés en action. All my sins in my actions. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Forgive me. Je ne veux plus recommencer. I won't do it anymore. Je serai avec tes enfants. I will be with your children. Pour servir avec eux. To serve you with them. Donne-moi un nouveau cœur. Give me a new heart. Comme tu l'as promis dans ta parole. As you promised in your word. Dans le livre du prophète Ézéchiel. In the book of prophet Ezekiel. Au chapitre 36, versets 26 et 27. Chapter 36, verse Seigneur Jésus. 27. Lord Jesus. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Afin que quand tu y reviendras. So that when you come back. Que je sois avec toi dans ton royaume. I should be with you in your kingdom. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De la malédiction. From the curse. Qui règne dans la famille de ma mère. Which is in my mother's family. Et qui règne dans la famille de mon père. Which is in my father's family. Qui règne dans ma belle famille. In my family in law. Seigneur Jésus. Lord Jesus. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de l'idolâtrie. To be separated of qu'on idolatry. Qu'on me sépare de la sorcellerie. Of witchcraft. Je veux te suivre. Because I want to follow you. Maintenant, prions pour eux. Now let's pray for them. Dirige ta main vers ici. Lay your hand in the direction. Que ce que Dieu a promis s'accomplisse. Let all that God has promised come to life. Que ceux qui sont enchaînés soient libérés. May all those who are in chain to be set free. Ceux qui sont malades soient guéris. Those who are sick be healed. Ceux qui sont poursuivis par les démons soient délivrés. Those who are pursued by demons be delivered. Prions ensemble. Let's pray together. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons de la bénédiction divine. Nous vous séparons de la malédiction. Toute malédiction. Toute malédiction provenant de vos familles. La famille de vos parents, la famille du père, la famille de la mère, les belles familles. Toutes les malédictions que vous avez traînées avec vous jusqu'à ce jour. Nous les séparons de chacun de vous. Nous proclamons la victoire de Jésus-Christ. Et nous demandons la guérison divine pour tous ceux qui sont malades. Nous demandons la libération totale de ceux qui sont sous la prise des puissants démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok. Asseyez-vous. Ceux qui sont. Et quand on va vous donner les adresses, il faut préciser que vous étiez dans d'autres communautés, vous voulez adorer avec nous. Asseyez-vous là-bas. Please sit down. Maintenant, nous allons prier. Now we are going to pray pour la persévérance de tous les jeunes for convertis. Perseverance of all the new converts et de tous ceux qui ont été délivrés. And of all those who have been delivered. Tenons-nous debout. Let's stand up, please. Que chacun intercède. Let everyone pray. Frère, Dieu aime ça.
God loves his brothers. Ah non, le ciel est dans la joie. Heaven is happy, he's in joy. Il y a encore des chaises vides. There are still empty chairs. Est-ce que ce n'est pas une prophétie? Is it not a prophecy? Il y a les chaises vides ici. There are empty chairs here. Qui reconnaît dans son cœur que sa place est ici? In his heart that his place is here. Lève-toi, tu viens. Stand up and come. Est-ce que quelqu'un est en train de venir? Is someone coming? Okay. Vous avez reçu le sujet. You got the topic. Bénis tous les enfants qui ont cru. Bless all the children who have believed. Pendant la croisade. During the crusade. Avec la capacité. With the ability. De résister au diable. To resist the devil. Prions ensemble. Let's pray. Jésus-Christ. Jesus Christ. Maintenant. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Demande à Dieu de te rendre fort, ask persévérant. God to make you strong, fort, persévérant. Strong and perseverant. Sobre. Sober. Fort. Strong. Ferme. Sobre. Sober. Pour résister à Satan. To resist Satan. Et pour t'établir dans la victoire. And to set yourself, to settle yourself. Prions ensemble. Dieu, oh Père, affermis-nous. Oh Father, strengthen me. Rends-nous vigilants. Make me vigilant.
ferme, firm, sobre, sober, victorieux, and victorious, victorieux, victorious, victorieux, victorious. Continue à prier. Keep on praying. Oh, rakabaka joru baka kabaka joru baka kabaka joru baka hal kabaka jere baka. Commence à dire merci à Jésus. Start thanking Jesus. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Un sujet comme celui-là, a topic like this one, crois que Dieu t'a exaucé à 100%. Believe that God has answered you 100%. Et prends tes requêtes. And take your requests, your topics. Tu parles à Dieu. You speak to God. Dis que je veux demander ça à qui? Tell him, to whom am I going to ask this? Abraham disait à Dieu, permets que je parle encore une fois. Abraham told God, allow me to speak one time more. Il veut dire à Dieu, he wanted to tell God, tu n'es pas un homme pour penser que je te dérange. You are not a man to believe that I'm disturbing you. Frère, Dieu exauce. Brother, God answers. Dis-lui, je veux dire ça à qui? À tell qui? Him, to whom am I going to ask this? Qui d'autre est comme toi? Who else is like you? Dans les cieux, sur la terre. In heaven and on earth. Prenant soin de ses enfants. Taking care of his children. Guérissant ceux qui sont malades. Healing those who are sick. Ramenant ceux qui sont égarés. Bringing back those who were lost. Comblant de bonheur ceux qui invoquent et qui se reposent en lui. Filling with happiness those who rely on him. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Who qui is est comme like toi? You? Who is like you? Dis-lui que les idoles nous ont tout volé. That idols has stolen everything from us. Quelqu'un disait que les idoles demandaient l'argent. Someone said idols were asking money. Le royaume de Satan, c'est la méchanceté, c'est la méchanceté. The kingdom of Satan is wickedness. Quand l'argent se retrouve dans le ventre d'un python, il fait quoi avec? When money finds itself in the stomach of a snake, what is it doing with it? Vous voyez la méchanceté. You can see the wickedness. Le diplôme d'un jeune homme. Diplomas of a young man. Dans le cercueil. In the coffin. Qu'est-ce que les diplômes font dans le cercueil? What are the diplomas doing in a coffin? Voilà les dieux du monde.
vis-à-vis God. Dis, oh Éternel, toi tu es juste. Say, oh Lord, you are righteous. Toi tu es vrai. You are true. Toi tu délivres, tu sauves. You deliver and save. Les autres sont des voleurs. The others are thieves. Ils viennent pour dérober. They come to steal. Pour détruire. To destroy. Toi tu es vrai. You are true. Tu viens pour bénir. You come to bless. Tu relèves la face de l'indigent. And you lift up the face. Tu redresses celui qui est courbé. To, tu enlèves l'opprobre. You remove the despise. The shame. Tu nous revêts de splendeur. You cover us. Tu fais briller ta lumière sur notre sentier. You make your light shine on our way. Chez toi, il n'y a pas de complot contre un être humain. In your kingdom, there is no plot against a human being. Nous t'invoquons ce jour. We are calling upon you today. Comme le Dieu fidèle. As the faithful God. Miséricordieux et compatissant. The merciful and compassionate God. Car il est écrit. As it is written, louez l'Éternel. Praise the Lord. Pour sa bonté. For his goodness. Pour sa miséricorde. For his mercy. Comment continuer à intercéder? Keep on praying. Pour ceux qui sont là pour la première fois, for people who are here for the first time, il faut demander à Dieu, ask God, 10 choses, 10 things. Ça peut concerner ta santé, it can be about your health, ta vie sociale, your social life, ta vie académique, your academic life. Ça peut être ta vie commerciale, ta vie de... It can be your business, about your business. Tes affaires, le mariage. Your marriage. Peut-être tu n'as même pas de maison. Maybe you don't have a house. Tu veux dire à Dieu, je veux une maison. You can tell God, I want a house. Je n'ai pas de toi. I have no house. Peut-être tu ne travailles pas. Maybe you are not working. Peut-être les gens te méprisent. Maybe people are despising you. Tu peux lui dire, Seigneur, que ta grâce... M'accompagne. You can say, God, may your grace be on me. Priez sincèrement. Priez sincèrement. Vous aurez l'exaucement. You will have the answers. Ce que tu es venu chercher, dis ça à Dieu maintenant. What you have come to look for, tell it to God now. Ne dis pas que après je vais voir le pasteur. C'est maintenant. Jésus est là later devant toi. On, I will meet the pastor. Jesus is here before you. Parle-lui avec ta foi. Speak to him with your faith. Dis-lui que je viens de donner ma vie. Tell him that you have just given your life to Jesus. Je suis sincère. I am sincere. Je ne veux plus retourner. I don't want to go back. Parle-lui. Speak to him. Si tu es dans un envoûtement, dis-lui, oh if Seigneur, you are bewitched, désenvoûte-moi. Tell him, oh God, disbewitch me. Demandez tout ce que vous voulez. Ask all la that santé, you want. Les études, health, les affaires, studies, le mariage, business, marriage, tout ce que vous voulez. All you want. Ce qui est ton fardeau. What is your burden? C'est maintenant qu'il faut demander. It's now. It's now that you ask it to God. Priez, demandez. Ask God. Ce que vous voulez. What you want. Même si vous êtes des enfants, Dieu exauce. Even if you are a child, God will answer you. Si tu es en ligne, prie, if are, demande. If you are in line, pray, ask. Ne crains rien. Fear nothing. Personne ne va censurer ta prière. No one will ban your prayer. Importune ton père. Bother your father. Tu es son enfant. You are his child. Ora
Dis oh notre Père. Say oh our Father. Vous savez, Jésus a dit, quand vous priez, dites. No, Jesus said, when you are praying, notre Père qui est au ciel. Say our Father who is in heaven. Vous savez, Dieu a beaucoup de noms. God has many names. Dieu a beaucoup de noms. God has many names. Mais Jésus veut. But Jesus wants. Qu'on l'appelle notre Père. That we call him our Father. C'est là où ta prière devient importante. This is where your prayer becomes important. Il n'est pas pour nous un étranger. He is not for us a foreign. Laisse Dieu Tout-Puissant, Éternel, Dieu des armées, laisse ça dire. Dis, oh God, Père. Say, oh Father. Exauce-nous. Answer us. Oh answer notre us. Père. Oh our Father. Qui est aux cieux. Who is in heaven. Écoute nos cris. Listen to our cries. Écoute nos cris. Listen to our cries. Regarde nos angoisses. Look at our worries. La terreur. Terror. Oh Père. Oh Father. Continue à prier. Keep on praying. Dis, oh Père, oh Father, tu peux élever, you can lift tu peux rabaisser, you can dance, tu peux faire vivre, you can make tu peux tuer, you can kill, tu peux guérir, you can heal, tu peux délivrer, you can deliver. Tu es notre Créateur. You are our creator. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. We have a work of c'est your toi hands. Qui nous as fait. You have a one who made us. Tu peux nous sauver. You can save us. Tu peux nous sauver. You can save us. Tu peux nous exaucer. You can answer c'est us. Toi qui nous as appelés. You have a one who called us. À ton fils Jésus. To your son Jesus. Oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Answer us. Continue à prier. Keep on praying. Dis oh Père, oh Father, agis war contre les adversaires against the adversaries dans le monde invisible. In the invisible world, agis war contre nos adversaires against my adversaries contre nos adversaires against our adversaries dans le monde invisible. In the invisible world, tu as dit dans ta parole. You said in your word, à cause de toi. Because of you, j'envoie l'ennemi contre Babylone. I send the enemy against Babylonia. Agis. Walk, 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 walk. Agis. Walk. Agis, Père. Walk, Père. Walk, Father. Renverse tout ce qu'il faut renverser. Overthrow all that should be. Brise tout ce qu'il faut briser. Break all that should be. Écrase tout ce qu'il faut écraser. Crash down all that should be. Que tes desseins s'accomplissent. May your goals be fulfilled. Que tes exaucements nous atteignent. May your answers reach us. Oh Père. Oh Father. Que tes exaucements nous atteignent. May your answers reach us. Continue à prier. Keep on praying. Oh Père, oh Father, agis war contre nos adversaires against our adversaries dans le monde physique. In the physical world, éloigne-les de notre chemin. Send them far of our way. Éloigne-les de notre chemin. Send them far of our way. Car tu as dit dans ta parole. Because you said in your word. Dans le livre du prophète Isaïe. In the book of the prophet Isaiah. Au chapitre 57 verset 14. Chapter 77 verse 14. On dira frayez, frayez. But we say open, open. Préparez le chemin. Prepare the way. Enlevez tout obstacle du chemin remove de mon peuple. Any kind of obstacle on the way of my people. Enlevez tout obstacle remove the obstacles du chemin de mon peuple on the way of my people. Oh Père, oh Father, que les obstacles may the obstacles placés par les êtres humains méchants put by wicked human beings placés par les êtres humains pervers put by perverse que tous ces obstacles soient écrasés. Let all of them be crushed. Que tous ces obstacles soient écrasés. Let all of them be crushed.
Que le chemin soit frayé. The way be open devant le peuple qui invoque ton nom. Before the people who call upon you. Le chemin frayé, frayé, frayé. Open. Les obstacles brisés, brisés, brisés. Broken. Continue à prier. Keep on praying. Ora bakashara bakashara baka ora bakashara 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 ora bakashara 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 ora bakashara bakashara ora bakashara bakashara ora bakara bakashara ora bakara bakashire bakara bakara ora bakara bakashire baltara ora bakara bakashire bakara ora bakara kasimbe kire galtara ora bakara bakashire bakantara mazinan lori dan basse bakintire mazinan Ura bakali bakili rinda, ura bakasiri kama zinara, ura bakala bakala, ura bakala bakala. Dieu, oh Père, oh Father, que les méchants, may the wicked one, voient dans ma vie, see in my life, ce qu'ils n'avaient jamais souhaité voir, what they have never hoped, expect to see, ta bénédiction, your blessing, ta main puissante, your powerful hand, agissant pour moi, working for me, agissant sur moi et pour moi, working on me and for me. Oh, que l'ennemi, oh, my enemy, souffre, suffers, en regardant, by looking, en voyant, by looking, ce qu'il ne voulait jamais voir, what he didn't want me, he didn't want to see in my life. Père, exauce-nous. Father, answer us. Relève notre tête. Lift up our head. Prions en langue. Let's pray in tongues. Merci Seigneur. Dieu Père, oh Father, déploie tes armées. Send your army. Il est écrit. It's written. Tu fais de tes anges tes vents. You make from angel your wings. Tu fais de tes anges des vents. You make from of your angels wings. Et de tes serviteurs une flamme de feu. And of your servant a flame of fire. Oh, que le vent et le feu soufflent. Let the wind and fire blow. Dans le camp de l'ennemi. In the camp of the enemy. Que tout ce qui nous a été volé soit restitué. That all that has been stolen from us should be restituted. Say. Aujourd'hui, today, nous n'allons même pas dire nous allons récupérer. We are not going qu'ils viennent remettre. Let them come and take back. Fais souffler ton le vent et les flammes, les vents, les flammes. Your fire and your wind. Le vent. The wind, the flame of fire. Point de repos pour le méchant. The flame, no peace for the wicked one. Point de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Point de paix pour le méchant. No peace for the wicked one. Que le vent, le feu, le vent, le feu, le vent, le feu. Fire and wind. Dans le camp de l'ennemi. In the camp of the enemy. Que chacun vienne déposer ce qu'il a volé. Let everyone come and send. Que chacun dépose ce qu'il a volé. Come and put what he has stolen. Chacun dépose ce qu'il a volé. Let all of them, each of them, chacun dépose ce qu'il a volé. Let each
each one come with what he has stolen. Le feu. Dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Que tout soit restitué, tout soit restitué. Dans le camp de l'ennemi, dans le camp des voleurs, 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 dans le Dieu au nom de Jésus, que le méchant restitue ce qu'il a pris. Dieu au nom de Jésus, d'un commun accord, nous commandons que le voleur restitue ce qu'il a volé. Il vient et dépose au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui a volé quelque chose le remette au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus. Toi, esprit impur. You impure spirit. Esprit méchant. A wicked spirit. Qui résiste. Who is resisting. Nous te frappons. We struck you. Nous te frappons. We struck you. Nous te jugeons. We judge you. Va-t'en. Go away. Nous brisons ta résistance. We break your resistance. Sors, va-t'en vite. Go out. Gardez le calme. Keep quiet. Gardez le calme. Keep quiet. Aucun démon qui résiste ne va rester. None demon resisting will remain.
tout esprit humain. Any human spirit. Tu vas partir. You will go. Personne ne résiste. No one is resisting. Personne ne résiste. No one resists. Aucun esprit ne va résister. None spirit will resist. Va-t'en. Go away. Va-t'en vite. Go away quickly. Sors et va-t'en. Go out. Va-t'en vite. Go quickly. Nous brisons ta résistance. We break your resistance. Nous brisons ta résistance. We break your resistance. Nous détruisons ta cachette. We destroy your hidden place. Nous détruisons ta cachette. We destroy your hidden place. Kora bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashara. Go, 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 go now. Go rakabakashara gabaga. Va-t'en vite. Go quickly. Va-t'en. Go away. Sors. Go out. Va. Go. Go rakabakashoro bakashara bakashoro 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 bakashara gabaga. Nous brisons toute la prise. Break your support. Nous brisons ta résistance. We break your resistance. Tu ne te cacheras point. You will not hide yourself. Garde le calme. Keep quiet, please. Tu ne vas pas résister. You won't resist. C'est le jour où le Seigneur te livre. It's the day the Lord is leaving you. Il te livre. He's leaving you. Kona bakashara. Brisons tes œuvres. We break your works. Kora bakashara bakagash. Nous brisons tes œuvres. We break your works. Tous ceux qui étaient bloqués. All those who were blocked. Sont bénis. Are blessed. La parole qui dit tu regardes, tu regarderas ton ennemi le lieu où il était, tu ne le verras plus. The word which says that you will see the place where your enemy and you won't see him anymore has come to life. Tous les démons qui sont associés. All the associated demons. Nous vous dispersons. We scatter you.
Nous brisons votre association. We break your association. Et toi? And you? Et ceux qui sont venus t'aider. And all those who are coming to help you. Partez! Go! Vite, vite! Quickly! Toi! You? Et ceux qui sont venus t'aider. And those who has come to help you. Va-t'en! Go! Esprit méchant. Wicked spirit. Toi. You. Et tout esprit. And any spirit. Qui est venu te secourir. Who has come to rescue you. Vous jugeons. We judge you. Partez. Go. Que toutes les maladies. May all the sicknesses. Qui sont causées par les démons. Caused by demons. Si tu es un démon qui est venu rendre quelqu'un malade. If you are a demon who has come to give a sickness to someone. Va-t'en maintenant. Go now. Va-t'en! Go! Sors, va-t'en! Go out! Que tous ceux-là s'en aillent avec les autres. Let all of them go. With the others. Va-t'en obéir. Go, obey. Si tu es venu. If you have come. Rendre quelqu'un maladif, maladif, maladif. To make someone fall sick. Va-t'en. Go. Tes œuvres sont jugées. Your works are judged. Nous les arrêtons. We stop them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es un démon. If you are a demon. Tu sais que tu es là. You know that you are there. Pour fatiguer quelqu'un, une âme. To bore someone. Par des maladies répétitives. With repetitive sickness. Le jugement de Dieu est contre toi. The judgment of God is against you. Le jugement de Dieu est contre toi. The judgment of God is against you. Va-t'en. Go. Avec tout ce que tu as apporté dans la vie. With all that you have brought in the life of this one. Koro bakashara baka koro bakashara baka soro bakashara baka koro bakashere 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 baka. Ora baka shere baka go baka shere baka ora ga baka jor baka go jor baka go jor baka vacha go away. Esprit méchant de maladie. Wicked spirit of sickness. Esprit méchant de maladie. Wicked spirit of sickness. La colère de Dieu est sur toi. The anger of God la colère de Dieu est contre toi. The anger of God is sors et va-t'en. Sors et va-t'en.
Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu es un démon, if you are a demon, ou un esprit humain, or a human spirit, qui est venu, who has come, pour détruire l'avenir d'un jeune homme ou d'une jeune fille, to destroy the future of a young man or a young girl, par le chômage, by jobless, un chômage démoniaque chronique, by a chronic jobless, c'est toi, si c'est toi qui fais perdre ces dossiers, if you are the one who makes his files be loose, c'est toi be qui salis ces dossiers, if you are the one who dirty his files, tu es jugé, you are judged, va-t'en, go away, nous libérons cet enfant, we set this one free, nous libérons tes captifs, we set your captives free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tout esprit impur. Any impure spirit. Cause du chômage. Cause of joblessness. Tout esprit impur. Any impure spirit. À l'origine du chômage. Who is the source of? Tu es jugé. Job. You are judged. Sors et va-t'en maintenant. Go. Va-t'en, vite, 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 vite. Go, quickly. Va-t'en, vite, vite, vite. Go away quickly. Va-t'en, vite. Go away quickly. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es un démon, if you are a demon, cause de divorce, causing divorce, sors et va-t'en. Go out. Tout démon, any demon, qui entretient le désordre conjugal, who is maintaining disorder in the couples, qui provoque les divorces, who create divorce, sors, va-t'en, vite, vite, go out quickly. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Même si, even if, tu t'es caché pour attendre le jour du mariage,
You have eaten to wait for the day of marriage. Tu es là. You are there. Tu attends le jour du mariage. Waiting for the day of the marriage. Pour commencer ton travail. To start your work. Sors, va-t'en. Go out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu es un démon. If you are a demon. Qui s'oppose au mariage. Opposing to marriage. Ton mari de nuit. You spiritual husband. Tu t'opposes au mariage. You are opposing marriage. Sors, va-t'en. Go out. Mari de nuit, femme de nuit, va-t'en. Spiritual husband, va-t'en, va-t'en. Spiritual wife, go va-t'en, away. Va-t'en, go away, go away, go out. Oh, rabakasha, 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 rabakasha. Gardez le calme. Keep quiet. Du calme. Please keep calm. Y a un témoignage. Alléluia. Salut Louise, viens avec moi. Regarde la caméra. Viens. Alléluia. Offrande d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'est avec ce bois qu'elle marchait, à peine qu'elle marchait. Notre sœur marche maintenant devant le peuple de Dieu. Ils vont te voir. Marche. Thank you.
Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus est gagnant. Jésus est gagnant. Guéri totalement. Attirez quoi? Sœur Lise, elle dit, elle veut chanter un cantique. Alléluia. J'ai fait les radios. J'ai fait scanner. Médicaments, si je ne bois pas, il ne peut pas m'arrêter comme je suis arrêté. C'est pourquoi je vais chanter un cantique qui dit embêté. C'est quelle puissance que Dieu ne peut pas convaincre. C'est quelle maladie Dieu ne peut pas soigner. Dumutamla uzi alago potoku mai. Oh, frère d'acclamation, Jésus l'a guéri. Merci, merci. Dumutamla uzi alago potoku mai. Nyabei dumutamla uzi alago sirika mai. Alago jase dumla dunima o asrutriye. Acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc demain tu vas rendre témoignage. Tomorrow you will give your testimony.